Je crois que c'était un débat vraiment très intéressant parce que c'est vrai que à force de faire des fêtes et des célébrations pour les 50 ans de l'immigration, ce qui est une belle chose pour bien valoriser la diversité, et ben on en a presque oublié qu'il y avait 40 ans aussi de reconnaissance de culte musulman. Et comme je l'ai dit, autant on doit faire réussir l'interculturalité, mais on doit aussi faire réussir l'interculturalité. Et ces 40 ans méritent d'être fêtés dignement, parce qu'il s'agit d'une religion qui a toute sa place et qui mérite tout le respect. Voilà. J'ai donc beaucoup apprécié la tenue du débat, surtout dans le cadre de la commémoration des 50 ans de l'immigration marocaine, parce que c'est vrai qu'on oublie qu'à côté de ça, il y a eu quelques avancées, notamment la reconnaissance officielle de l'islam. Et donc l'échange qu'on a eu ici, je pense que c'est une première étape et qu'il y a lieu de poursuivre la réflexion en objectivant et en faisant état des lieux de la situation effective entre ce qu'en effet les textes disent et ce que sur le terrain il se passe réellement. Et donc pour ce qui nous concerne, il s'agit vraiment d'une première étape d'un débat qu'il faudra encore tenir. En tout cas, je me réjouis vraiment beaucoup d'avoir participé à cet après-midi de débat autour de la question des 40 ans de reconnaissance de l'islam en Belgique. Ça nous a permis de faire un tour d'horizon, des avancées positives, mais aussi des nombreux chantiers qui nous restent encore à résoudre, et en particulier toute la question de l'islamophobie et de la recrudescence du racisme à l'égard du musulman. Mais en même temps, nous devons rester sur une note positive. Et donc oui, on doit promouvoir le vivre ensemble, on doit faire en sorte que les gens apprennent à se connaître. Et je crois que c'est à cette condition-là, fondamentalement, que nous parviendrons à relever le défi de l'interculturalité inclusive et positive. Ben écoutez, c'est très intéressant, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Quelle est la place de l'islam en Belgique? L'islam est là parce qu'il y a des gens qui pratiquent cette religion musulmane, qui est une religion de paix, une religion d'amour, une religion qui peut s'insérer dans la société belge, pour autant qu'on trouve les voies du dialogue. Parce que les gens en Belgique n'ont pas l'habitude, cette religion elle est nouvelle, mais c'est une religion qui peut trouver sa place si on le fait en bonne entente, en étant ouvert et en permettant à chacun de vivre sainement sa religion dans le respect des lois de ce pays. Voilà, nous avons eu une rencontre tout à fait intéressante avec des politiques, mais aussi des scientifiques concernant justement la reconnaissance du culte musulman. Ça fait 40 ans et encore beaucoup de questions sont posées aujourd'hui et nous pensons qu'elles doivent se résoudre évidemment par la loi, mais aussi l'application de la loi et en luttant contre les discriminations qui sont encore bien présentes aujourd'hui. Il faut de l'éducation, il faut de la participation, de la citoyenneté. Je pense que c'était des conclusions qu'on pouvait tirer à l'occasion de cette rencontre. Bon voilà, moi je dirais le débat est très très important et très très intéressant, mais ce qui est important c'est que les gens doivent être honnêtes avec eux-mêmes, et surtout nous les politiciens, nous devons vraiment être honnêtes avec nous-mêmes, et il faut voir la réalité en face. La politique et les politiciens ne doivent pas se mêler des religions ni de la religion, et c'est de cela que la religion musulmane souffre et les musulmans souffrent ici aujourd'hui, c'est que c'est les politiques qui se mêlent de la communauté musulmane. Voilà, donc c'est très simple, si nous devons parler donc de plusieurs points comme par exemple le port du foulard, qui est un faux débat, et j'en suis tout à fait d'accord, mais il y a tout de même une conséquence très très grave, c'est que nos enfants sont refusés dans des écoles et nos femmes sont refusées dans des emplois. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار الأنشطة اللي كيقوم بها مركز الحجاج المسلمين بلجيكا قمنا اليوم بالتظاهرة الحمد لله كانت كتب لها النجاح بحيث حضروا معنا 7 ديال الممثلين ديال الأحزاب السياسية الكبار اللي هي كاينة هنا في بلجيكا وكانت الهدف ديالنا هي الذاكرة ديالنا ما تنساش والتاريخ ديالنا ما يتنساش لأنه 40 سنة ديال الاعتراف ديال السلطات البلجيكية بالإسلام هذا حدث مهم كان لابد من 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 الإطار ديالو وجبنا هاد الناس السياسيين ورؤساء أحزاب سياسية إلى آخره باش نعرفوا الآراء ديالهم والأبعاد ديالهم خصوصا وحنا مقبلين على الانتخابات المقبلة في شهر ماي والحمد لله الحضور كان متميز وكثير من الشباب والسياسيين والأسئلة اللي كانت كلها تصب في اتجاه واحد هي ما هو موضع الإسلام في بلجيكا والحمد لله أن جميع الفرق السياسيين أكدوا أن الإسلام عنده الدور ديالو مهم
وضد كل ما يمس الإسلام كرامته وما يدافعوا بشرف على 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 الإسلام الشيء اللي مسناه من هذا المسؤولين السياسيين اللي هم في الحكم أو اللي هم في المعارضة، أن الحمد لله عندهم فكر متنور ومتفتح تجاه الإسلام عكس ما كنلاحظوا بعد العنصريين أو بحساب العنصرية اللي كتنهض الإسلام. فهما بطبيعة الحال من خلال تدخلات ديالهم وتدخل أسئلة ديال الجمهور بينوا بوضوح تام أنه ما عندهم أي إشكال مع الإسلام، بل بالعكس هما كيظنوا انه كيشكل واحد الفرصه سنيحه باش جميع المسلمين يكونوا متصفين والاهداف ديالهم الحمد لله تحقق. وشكرا لجميع الحضور.